nous quittons la Bretagne pour aller découvrir le Dévoluy. Après 1000 km, nous arrivons dans ces belles et hautes montagnes. Nous commençons notre visite en se recueillant devant le mémorial du téléphérique. Nous découvrons Saint-Étienne en Dévoluy et commencerons par une sympathique randonnée pour découvrir la gorge du Rif. Nous prenons le frais tout près du torrent la Souloise. Nous allons par la suite enchaîner de magnifiques randonnées. Ici, la crête des Baumes. Le soir, on ne se lasse pas de regarder le soleil se coucher sur les montagnes. On se chausse à nouveau pour aller découvrir le col des Aiguilles. Et là, surprise, nous voyons le Vercors qui est voisin. Nous rejoignons le col de Feste. Et là, rencontre avec une personne qui pratique l'aéromodélisme. Une autre rencontre, celle des Patous. On ne va pas s'attarder. Nous continuons la descente du col du Noyer. Nous espérons bien ce soir observer les étoiles filantes. Encore une belle météo qui va nous permettre de rejoindre le col du Rabou. Nous saluerons au passage le pic de Bure. Une très belle flore. Et voilà le col de Rabou. Une vue splendide s'offre à nous. Randonnée tranquille, nous rencontrons peu de monde. Les sauterelles sont nombreuses. Des filets clôturent électriques pour protéger les brebis. Le fameux téléphérique privé pour alimenter l'observatoire du pic de Bure. Belle descente pour rejoindre le pré commune de Saint-Étienne en Dévoluy. En sens inverse, on arriverait au col du Noyer. Après toutes ces randonnées, nous prenons le camping-car pour découvrir le col du Collet. «
très belle randonnée en partant des Hauts-Gigons pour découvrir le col de l'Aupe. Au centre de l'écran, le pic de Bure. Au loin, le lac du Sautet. Une envie d'altitude, alors nous prenons le télécabine pour marcher au-dessus de la joue du loup. On va pouvoir aussi mesurer la difficulté pour se rendre au pic de Bure. Là où se trouvent les paraboles de l'observatoire. D'ici, encore 1h30 de marche pour atteindre le plateau de Bure. Beaucoup de VTT dans le dévolu. Le dévolu, une terre pour tous ceux qui apprécient la montagne et toutes les activités qui s'y rapportent. Une chose est sûre, nous reviendrons.